les pauvres petits. Ils ont dû voir des choses terribles en arrivant là-bas. Et là, je vous laisse l'occasion d'essayer de repérer qu'est-ce qui est quoi dans tout ce bazar. Voilà, voilà. Essayez de comprendre c'est quoi tout ce bazar, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est le moteur d'un croiseur de la guerre des clones ou un croiseur impérial? Va savoir, impossible. Sans avoir les connaissances nécessaires. Le jeu est tellement réaliste, si tu connais pas bien l'univers, bon ben... Voilà quoi. Non mais je vous le dis, Jaden Fallen, pas besoin de le sortir. On a déjà le pouvoir de la force. On a même le 2 pour ceux qui veulent de l'expérience graphique plus puissante. Ça change rien au jeu, hein, si ce n'est que bon bah on a 2 sabres laser au lieu d'un, et puis c'est comme j'ai dit, il y a plus de puissance dans les graphismes, mais sinon rien que le premier, il suffit à lui-même. Et comme je l'ai déjà dit, George Lucas lui considérait ce jeu comme étant officiel. Alors oui, ça aussi c'est une chose que j'ai oublié de dire. Alors oui, ce que dit George Lucas, c'est pas forcément bien pour vous. C'est le père de Star Wars. Quand il dit que c'est officiel, alors c'est que c'est officiel. Tu la fermes. C'est voilà. Et surtout, que dites-vous que le mec, il était quand même sympa, hein. Il acceptait n'importe quelle histoire, du moment que ça restait bien dans l'idée de l'univers Star Wars. Je veux dire, on a bien Legacy, hein, qui est une série qui est censée se trouver dans un univers Star Wars post-apocalyptique, hein. Je le rappelle, hein. Legacy, hein. C'est censé être l'univers Star Wars, mais version post-apocalyptique. Donc voilà, il l'a quand même accepté. Mais il aimait pas l'histoire. Il aimait juste les Yuuzhan Vong, le peuple que tu vois beaucoup dans Legacy et qui sont apparus... durant la période après les Sentences, etc. Enfin, c'est un peu compliqué à ce niveau-là, mais bon. Il aimait bien leur technologie, leur culture, etc. Il aimait pas juste la façon dont ils sont arrivés et la façon dont ils ont bouleversé la galaxie Star Wars. Pour lui, ça la détruisait, donc voilà. Ce qui était un petit peu le but, mais lui, il n'appréciait pas George Lucas, donc voilà. Mais pour le pouvoir de la Force, même moi, je dis que ça, c'est plus officiel que Jaden Fallen, là. Et c'est beaucoup plus officiel que Rogue One, tout ça et compagnie. Je sais pas ce que je veux me sortir. Surtout que les plans de l'étoile noire, chaque fois c'était une histoire différente et on les acceptait tous. Fallait juste que tu choisissais celle que tu préférais. Moi perso, je préférais celle de l'Étale Alliance. Non mais c'est qui me tire dessus. L'Étale Alliance où en fait on joue une Twi'lek envoyée en mission par Cal Katarn pour retrouver les plans de l'étoile noire et pour les ramener quoi, à l'Alliance. Voilà. Et c'était qu'un petit jeu sur PSP, hein, PSP Vita si je me souviens bien. Donc voilà. À ce niveau-là, c'était pas non plus le meilleur des jeux, mais pour moi, c'était ce qui racontait comment les rebelles ont eu les plans de l'étoile noire. Voilà. Mais après, il y en a eu plein d'autres des histoires de comment les plans ont été récupérés. Et la version de Rogue One est pas mal. C'est juste que ils tirent en longueur toute l'histoire, tous les dialogues, tout ça. Il y a juste le troisième acte, c'est-à-dire la bataille de Scarpis, qui est vraiment intéressant, quoi. Le reste du film, tu t'endors devant, c'est voilà. Par contre, à partir de Scarpis, là, c'est bon, tu restes éveillé tout le temps. Hein. Là, c'est du bon Star Wars. Tu m'étonnes qu'après George Lucas, il a appelé le réalisateur de Rogue One pour lui dire « Vous êtes le seul à avoir compris mon univers. » Effectivement, c'est le seul qui semble bien l'avoir compris, même si c'est très tiré à la longueur quand même, le scénario. Mais bon, c'est vrai que pour juste la bataille de Scarfis, là je dis que oui, Rogue One, je suis prêt à l'accepter aussi. Surtout avec la fin, avec... je vais pas le dire parce que ce serait spoil pour ceux qui n'ont pas encore vu, mais ce serait un peu étonnant, parce que quand même, depuis le temps, vous devriez savoir, les gars. Tu peux faire péter ça avec des éclairs, d'accord, je viens de l'apprendre. Voilà, voilà. Si je me souviens bien, il n'y a rien par là, hein, c'est un trou, hein, n'y allez pas, hein, vous allez juste mourir. Qu'est-ce que je disais? Oui, Rogue One, rien que pour la bataille Scarfis, moi je dis ok, je peux prendre. C'est très long, tous les deux actes, hein, avec l'histoire de ça, etc. Mais sinon, je suis quand même prêt à l'accepter, comme l'état l'Alliance, voilà, voilà. C'est je prends et je décide ce qui est pour moi, oui, ce qui est possible et ce qui est impossible, voilà. Chacun a sa vision. Peut-être que certains d'entre vous n'apprécient peut-être pas le pouvoir de la force et de comment se créent les événements selon le pouvoir de la force, mais moi je les accepte totalement. Voilà, voilà. Et surtout, il faut savoir que c'est George Lucas qui m'a inspiré à créer mes propres univers à la base. Ce que je voulais, c'était battre son record de films. Il en avait fait 6, alors je voulais en faire 12. Donc j'ai inventé tout un scénario, tout ça, etc. pour tenir sur 12 films. Bon, avec Harry Potter, je suis passé à 14. Mais voilà quoi. Ce que je veux dire, c'est que je vais y arriver. Le pouvoir de la force, pour moi, c'est un truc à accepter George Lucas. Donc pour moi, c'est bon, ça va. Si George Lucas a accepté, alors c'est qu'on doit tous l'accepter, c'est tout. C'est le père de Star Wars, les mecs. C'est le mec qui a créé Star Wars. Vous aurez beau dire que oui, non, mais il a pris les idées de machin, etc. Et vous savez comment ça s'appelle, ça? Ça s'appelle des suggestions!
Moi-même, j'en prends quand il y a des potes qui me disent « Ah, ton histoire est sympa, mais tu sais, il faudrait que tu améliores un petit peu cette partie-là en faisant, par exemple, tatatitatata. » Moi, je dis « Ah d'accord, ok, t'as raison, c'est vrai, c'est beaucoup mieux, merci. » Ça, c'est une suggestion, tu vois, c'est des idées qu'on te donne. Voilà. Si maintenant, ils réclament en disant « Ouais, non, mais c'est moi, en fait, qui a eu l'idée. » C'est parce que c'est des Américains, les mecs. Les Américains, dès qu'il s'agit de pognon, ils sont là, hein. Maintenant qu'ils savent qu'il y a le coup de « Oh, on peut faire des dramas à partir d'Internet et donc avoir le pouvoir total et faire ce qu'on veut », eh ben forcément, les mecs qui avaient donné les idées à George Lucas, ben disent « Ah non, mais je l'ai jamais donné, hein. C'était mon idée, il me l'a piqué d'abord, hein. La réunion ?» Non, non. Oui, alors, effectivement, je l'ai dit durant la réunion, mais non. Oui, effectivement, il a dit que c'était une très bonne idée et qu'il la prenait avec joie et que j'ai dit pas de problème, mon pote, mais c'est pas pareil! Arrêtez de me faire chier! Je veux mon argent! Voilà quoi, c'est ça pour moi, le. Tout ce drama sur. Ah, il a piqué des idées, gnagnagnagnagna! C'est des suggestions! Mettez-vous ça dans le crâne! Non mais oh! Si vous croyez que personne ne prend les suggestions pour créer une bonne histoire, alors là, vous foutez bien le doigt dans le cul, là, les mecs! Oh là là, y a que ceux qui ne créent pas des univers. Justement, qui ne crée pas des histoires, etc., pour oser dire que des suggestions, ça veut dire piquer des idées. C'est... Non mais voilà. Créer des histoires et après venez dire que « Oh, machin, pique des idées, etc. » Apprenez d'abord à respecter ce genre de milieu où on crée des histoires et après venez apporter votre science. Bon, toi, ton lance-flamme, t'es gentil, mais tu meurs. Fallait que je le fasse, mon petit discours. Ah, excusez-moi, il fallait. Ah là, il le fallait, c'était nécessaire. Pour moi, il y avait une justice à ramener. Pour moi, George Lucas, c'est le mec qui m'a donné l'envie de créer des univers. Donc voilà. Donc si aujourd'hui je crée des univers que mes potes n'arrêtent pas de dire « Non mais sérieusement, comment tu fais pour pas réussir à les vendre à une boîte d'édition, tout ça, etc. » On n'arrête pas de me dire « Non mais écoute, moi je trouve que c'est super génial, moi je vais te soutenir, tout ça, etc. » Bref, à chaque fois que je sors des histoires, on me dit « Ah, c'est très intéressant. » Et ben, qu'est-ce que je disais déjà? Oh, je sais plus. Enfin bref, je pense que vous avez compris l'idée, quoi. Merde, on va pas non plus passer 15 ans, on n'est pas là pour passer plus de 3 heures sur ce niveau. Mais ça t'a des portes. Allez. Ah, merci. Ouais, niveau supplémentaire, mais plus tard, d'accord? Eh ben, j'avais complètement zappé qu'il y avait une partie 2 à Rexxis Prime. Mais voilà quoi, bon bref. Encore ? Petite coupure au cas où si jamais il y a décalage son. Voilà, on est reparti. Va savoir dans quel vaisseau. Qui a cassé ma vitre ? Non mais... D'ailleurs, est-ce qu'il y a des nouveaux objectifs de mission? Non. Bon, d'accord. Et je suis à 6 sur 15. Bon, c'est pas mal. Je crois que je suis sur la bonne voie. Hein. Je pense pas tous les avoir, hein, quand même, sur Axis Prime et pour la suite du jeu. Hein. Parce que je dois m'en souvenir de tête et c'est pas simple. Joli trou. Ben voilà, quoi. Oui, et par rapport à mon joli petit discours, là... George Lucas, c'est celui qui m'a inspiré à créer mes propres univers. Il faut respecter ceux qui créent des histoires. Arrêtez de dire que « Ah, machin, vole des histoires, etc. » Ça, c'est l'univers des Américains. Voilà, voilà. Et des suggestions, tout le monde en prend. Voilà. Donc, George Lucas n'est pas un voleur, arrêtez de dire ça. Ça ira peut-être mieux comme ça. Non. Je vais choper l'autre porte. L'autre porte, elle est pas quand même coincée. Allez, roule. Allez. Donc voilà, moi je n'aime pas quand on insulte George Lucas gratuitement. Cette porte est tentée. Donc voilà. Mais j'en ai marre de ces lags. Enfin, de ces micro-lags. D'accord. Oui, alors ça fait très... On a juste rajouté le truc comme ça, mais voilà. Pur, donc. On reprend. Mais je vous rappelle que c'était un jeu qui était en 2008, si je me souviens bien. Donc, oui, c'est ça, en 2008. Donc voilà, hein, vous êtes quand même sympa avec lui. Hein. Il vous a rien fait, en plus, le pauvre petit.
sphère, c'est parfait ça. La musique de Star Wars de John Williams, c'est tellement génial. Ce mec est un génie, ce John Williams. Il fait partie des grands de la musique. Faut se rappeler que, à l'époque, lorsque Star Wars était sorti, pour tout le monde, l'ASF, c'était de la musique avec, vous savez, ce petit piano électronique là qui fait des bruits ben, justement très rigolo et qui permettait donc de faire des sons assez appréciables pour un univers de SF. Mais George Lucas, lui, il a dit qu'il allait mettre de la musique classique, avec de l'orchestre, tout ça, etc. Et les mecs lui ont dit, mais ça marchera jamais. Il a trouvé John Williams, et maintenant, ben, les musiques de Star Wars sont respectées par tout le monde. Elles sont reprises et tout, bref, c'est... En gros, respectez, quoi. Respectez le travail de John Williams, qui a su mettre de la musique classique dans l'univers Star Wars. Musique classique épique, certes, voilà, hein. Ceux qui aiment bien utiliser des... disant oui, non mais c'est pas vraiment du classique, c'est classique, épique et tout. C'est du classique, c'est de l'orchestre, voilà, fais pas chier. Donc voilà, embête pas avec ces détails, s'il te plaît. Voilà, voilà. Si je me souviens bien, ça c'est un sabre laser, encore une fois. Un cristal de sabre, je veux dire. Hop. Cristal de sabre or. Oh, de l'or. Nous avons de l'or. Nous sommes riches. Mon Dieu, les Valjeans. Et ben alors, hein, alors. En or, c'est en fait de l'orange, mais un peu en ambre, enfin je ne sais pas trop. Voilà. Ouais. Ouais, c'est de l'orange quoi en fait. Un orange un peu clair. Pas de quoi s'extasier quoi. Encore un mec qui a réussi à s'en sortir, mais comment il faut ? Bon, tu sais quoi toi ? Regarde, par là. Il y a l'univers, il y a Raxus Prime, et il y a ta destinée. Encore ? Non mais vous sortez d'où les mecs ? Bon, c'est bon, j'ai eu tout le monde ! Ça marchera pas comme ça. Ah, ce serait pas avec les missiles ? Habituellement, quand on te met les missiles, c'est pour ça, hein. Écoutez, alors on va chercher un missile. Genre, lui là, il est tout beau, tout magnifique, il est tout joli, regardez-moi ça. Ah, il est pas cher, hein, il est pas cher, mon missile. Ah non, peut-être qu'il faut le faire péter, tout simplement. Mais comment je le fais péter depuis... je fais. Parce que moi je veux bien le choper hein, mais bon, donc le risque est assez gros. Ah par hasard il y aurait pas des missiles qui passent de temps en temps par là. Ah non, j'aurais vu. Bah alors, faut bien que je pète ce truc hein. Oh non, me dites pas que le jeu a bugué à ce niveau-là. Oh. Le jeu a bugué à ce niveau-là. Normalement, t'es censé détruire ce truc. Mais oh, en même temps, c'est un jeu 2008. Pardonnez-lui d'être vieux. Hein. Bon, au moins, on avance. Plus important. À tous les coups, il devait y avoir des missiles qui passaient, mais le jeu est vieux. Je suis sur un grand écran. Laissez-le tranquille. Merci. Merci, au revoir. Votre participation fut appréciée à sa juste valeur. Mon cristal ! Mon cristal, non. Voilà, c'est ça, c'est juste une sphère de talent, calme-toi. Là. Regardez, elle va se barrer là. Non, pas longtemps. Voilà, il se tire. Et puis vous pouvez le perdre. Donc on évite. Voilà, et mort. Toi meurs, va voir ailleurs si j'y suis. J'y suis pareil. Pareil. Y en a d'autres ? Je me souviens d'un Jawa dans le coin. Ah, excusez-moi, l'XP, c'est l'XP, hein.
Ah, j'ai entendu encore un Rodien. T'as survécu ? Bah t'es... t'es fort. Comment qu'on fait déjà ? Je crois qu'il faut mettre un missile entre les deux trucs pour que ça... Aïe, yo ! Si je me sens bien, hein, parce que... ça date ! À moins qu'il faut faire autre chose. Ah, la batterie ! La batterie, mais oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que j'en fais de cette batterie ? Ah oui, je la déplace pour qu'elle aille dans l'autre direction, ce qui me permettra d'avoir les missiles ! Et voilà ! Mais oui, évidemment, monsieur ! Voyons, Valmar ! Voyons, utilise ta tête ! C'est moi où ce truc a fait une espèce de drift, là ? Allez, dégage. Bon, j'ai vu du beau monde. Alors, ils sont... ils sont... où est mon XP ? Où est mon XP ? Oh. Mon XP ! Ça va, monsieur ? Ce Rodien a été en lien avec la force, c'est pour ça qu'il a disparu ! Mais calmez-vous, c'est juste que le jeu est vieux et qu'on faisait disparaître les coffres comme ça à l'époque. Calmez-vous. 2008, on n'avait pas... J'ai envie de m'occuper de toi. J'ai envie de t'occuper de toi. Cristal de sabre jaune concentré. Non mais oh, ça va, c'est bon, on a compris. C'est joli, c'est brillant, mais on va remettre le rouge, ok hein. Non, parce que ça va bien 2 minutes, hein, mais c'est bon, hein. On est un site ou on n'est pas un site, bordel de merde. Alors nous, on utilise un cristal de sabre artificiel. Parce que oui, dans l'univers d'origine de Star Wars, c'est pas genre « Oh ouais, t'es du côté obscur, alors ton sabre devient rouge. T'es du côté lumineux, alors ton sabre devient bleu. » Ou vert. Enfin bref. Voilà. C'est juste que les Sith créent de faux cristaux, en fait, pour faire leur lame de sabre laser, parce que eux n'avaient pas accès aux caves... aux grottes de cristaux. Et les plus connus, et là où tu pouvais le plus en trouver, c'était sur Illum. Il y a d'autres planètes qui en ont aussi, hein, mais c'est beaucoup plus rare de les trouver, donc c'est pour ça. Illum, c'est vraiment la planète où ça pousse de partout. Donc voilà, et il y en a de toutes les couleurs, c'est pas genre, ouais en fait ils sont tout blancs à la base, et puis après selon ton côté de la force, ils choisissent une autre couleur. D'ailleurs, l'explication de Dark Vador, ouais alors il a fait saigner son sabre. Alors ok, je peux dire ça, ok, d'accord. D'accord, l'idée est sympa, ça, etc. Mais le coup de si t'es du côté obscur, tu as un rouge, si t'es du côté bleu, t'as, du côté lumineux, t'as un bleu, vert, et puis voilà. Non, parce que là, ça casse tout. Vous m'expliquez alors pour les sabres jaunes et les sabres oranges ? Et le pire, c'est qu'ils ont apporté une explication pour le sabre violet. Ils ont donné une explication pourquoi Mace Windu a un sabre violet. T'en as pas besoin, t'as juste à dire que c'est un cristal de sabre violet, et puis c'est tout. Pourquoi tu cherches à apporter des explications là où il n'y en a pas besoin ? Le saignement, ok, je trouve que c'est cool, c'est vrai qu'effectivement ça peut être sympa ça, hein. Mais pour le coup des lames de cristal qui se choisissent selon ton côté de la force, mais c'est des conneries ça. Surtout que dans Star Wars The Republic, si tu vois le nombre de cristaux de sabre que t'as, mais c'est tellement génial, c'est tellement inventif. Même sur Jedi Academy, t'as plein de fans qui ont créé un mod qui permettait de créer n'importe quelle couleur de sabre laser, c'est-à-dire que tu avais les couleurs primaires, vert, bleu et rouge, et tu choisissais la couleur de ça, etc., ce qui te permettait de faire différentes couleurs, et ce qui te permettait donc d'avoir le sabre laser de la couleur que tu souhaitais, quoi. J'ai jamais mis ce mode parce qu'il est très compliqué à placer, mais sinon voilà, quoi. Les fans adorent avoir des cristaux de sabre de toutes les couleurs. Ne les empêchez pas d'en avoir juste pour histoire. Oh ouais, non mais c'est par la force, en fait, que t'as une couleur de sabre. Non, arrêtez. Surtout qu'en plus, soi-disant que comme Ahsoka n'est plus une Jedi, elle a donc fait un truc à ses sabres, c'est pour ça qu'ils sont devenus tout blancs, tatati, tatata. Mais arrête, dites juste qu'elle a pris des cristaux de sabre blanc et puis c'est bon quoi, merde, cherchez pas midi à 14h les gars.